just above you. Life goes on, unaware of the history below. En fait, on rentre dans un monde, on a l'impression que c'est une machine à remonter le temps. On entend le tram en haut toujours, donc on sait que la vraie vie existe toujours, mais on est dans un monde souterrain qui existe et qui est très vaste. Donc c'est assez surprenant. C'est très, oui, c'est une drôle de sensation. Ben, on entre et on découvre et on comprend pas en fait. On voit des masses de pierres et on comprend pas, mais après on arrive à redécouvrir et à remettre des mots enfin, sur tout ce qu'on voit. Et là on dit ah ouais. Je retiens surtout l'atmosphère en fait. C'est assez impressionnant de reculer comme ça et de se mettre dans une autre époque en fait. Et de s'imprégner. C'est l'univers qui est très impressionnant. Le bruit est ici en bas dans les caves, c'est une sphère bizarre, spéciale. Et pour ceux qui aiment Bruxelles, c'est bien de découvrir autrement Bruxelles. It was all sort of open at one stage, and now it's all closed off and you can hear the cars above you. That was quite weird to get your head around. Estamos en la parte de abajo, pero en la parte de arriba está la plaza y tal. Que está todo como conectado y es como descubrir otra ciudad aparte. Sí, otra forma de ver la ciudad. Sí, es un souvenir de Bruxelles. Voilà que... Bruxelles caché, Bruxelles inconnu. Donc... Super beau. C'est vrai, c'est beau.